Ce que j'ai entendu hier de la part de Jean Charest m'a complètement sidéré. Jean Charest a annoncé dans un service de garde qu'il n'allait pas augmenter les tarifs des services de garde de 7 $ pendant son mandat. Jean Charest, c'est un menteur. En 2003, Jean Charest avait promis qu'il n'augmenterait pas les tarifs des services de garde, qui étaient à ce moment-là à 5 $. Jamais il ne toucherait à ça. 6 mois plus tard, il a augmenté les tarifs à 7 $. Pourquoi maintenant croirions-nous le nouveau Jean Charest? Jean Charest, en 2007, il avait promis d'implanter 20 000 nouvelles places dans les services de garde en 4 ans. Combien il en a implanté? Il en a implanté 2 000 en 1 an. Et encore, ce n'était pas toutes des nouvelles places, puisqu'il en a transformé un certain nombre. En juin dernier, vous vous souviendrez, il y avait une pression énorme des parents parce que les besoins sont très grands. Alors, la ministre Courchesne avait alors promis de rendre disponibles 3 000 places en service de garde pour la rentrée scolaire. Résultat, le 19 septembre, elle en avait livré seulement 390. Alors, je trouve inacceptable que Jean Charest se représente devant nous en disant « Non, je n'augmenterai pas les tarifs », alors que la première chose qu'il a faite, une fois qu'il a été au pouvoir, après avoir fait la même promesse, il les a augmentés. Je crois donc qu'il ment à la population et c'est pour cette raison-là que je ne crois pas qu'il faille lui donner un troisième mandat.